que pendant le tsède ne que tsan. Tsa ou tchou ne tse me faux penu. Ton prétimbe ne gonge, ou ou ne na plus. Ou tu si pompe ne anna ou tse la lou. Mais si belo le gonging poupi, pesa pelota trop, comme qu'on a ne nan la. Que c'est bon ce biscuit. Tu as du goût, Eleonore. Tu parles de goût. Attends que je t'assaisonne cela avec ceci. Et tu m'en donneras des nouvelles. Tiens, goûte maintenant. Oh, Viti, que c'est doux comme l'amour. Je t'avais prévenu. C'est une recette que je garde uniquement pour des personnes que je tiens vraiment à cœur comme toi. Et ainsi, Cathy, je présume. Ne me fais pas perdre le goût de mon chocolat. Je ne l'ai pas raté la dernière fois aussi. Ah bon? Raconte. J'ai surpris le salopard. Je l'ai intimidé et il m'a donné 5000 francs. Comme ça? Sans que tu ne livres? Livrer quoi? Depuis que mon ex m'a travaillé la dernière fois là, je ne suis pas encore prêt à faire quelque chose de si tôt. Tu continues toujours à appeler ton ex. Si tu te demandes encore, tu ne dois pas lui donner. Quoi? Tu parles, hein? Le petit là, c'est un animal. Surtout quand il décide de te punir comme il m'a fait la dernière fois à cause de Sikati. Non, moi. En tout cas, moi je n'ai pas encore fini avec Sikati. Je lui prépare un autre coup. Maman, pardon, fais. Quand tu finis, tu m'informes et je fais aussi ma part. Ça va lui apprendre à jouer avec les femmes sans payer. Mais décroche-nous, Eleonore. Tu me caches déjà les secrets, même si c'est un nouveau dragueur. Aka, c'est mon petit fou là. Je ne veux plus rien traiter avec lui. Et tu es sérieuse, elle? Mets-moi encore 8, c'est un autre biscuit là, je mange moi. Je sens vraiment que tu seras maintenant sur la route de chez moi presque tous les jours grâce à la pâte à tatiner 8. Vraiment. Lui au moins, il ne déçoit pas les femmes. Ouais, que j'admire. Tu vas me tuer un jour. Bonjour. Salut, Koucha. Attends. Tu pars où là? Depuis un temps, je ne te vois plus. Je venais même comme ça chez vous, hein, puisque je ne te trouve nulle part. S'il te plaît, parle vite avant que papa ne change d'avis. Bon, dis-moi, tu es un homme ou pas? Mais c'est quelle question ça? Mais je suis un homme. Attends. Comment peux-tu tolérer que ta copine soit avec ton beau-frère? Ou tu n'es pas au courant? Sabine ne me concerne pas. Tant qu'elle peut me satisfaire où je veux et quand je veux, moi j'en ai rien à foutre. Oui, mais connaissant Sikati, si tu t'amuses, il risquera de l'épouser. Et elle va gâter le mari de ta grande sœur. Hein? Merci pour l'information, Koucha. Je vais y réfléchir. Je peux maintenant partir, Papaza. Ah, de toutes les façons, moi je voulais juste t'informer. Hein? Le dernier mot te revient. Hein? Ok, ok, d'accord. Salut vieux. Me voici. Voilà. Bonjour Claudie. Bonjour, c'est Cathy. Voilà. Avant de commencer, je voulais me rassurer sur les deux pantelles en son passé. Non, il y a quoi? Je voulais qu'on cause un peu. Entrons, là on va causer paisiblement à l'intérieur. Non, je préfère ici. Ouais, ici c'est bien. Parce que ici je suis en position avant ma préparée. Parce que si j'aperçois l'une des deux là, directement, hop, je suis parti. Attends, Sikati. Donc tu n'as pas encore géré les deux filles là? T'es plus là, papa. Je gère quoi?
Je gère quoi? Attends, je paye que c'est l'argent de quoi? Hein? Et les deux l'ont décidé de me rendre la vie difficile. Mais moi, j'ai dit que moi, tu comprends ce qu'elle dit? J'ai dit que moi, si Cathy, tu ne dors, je vais les traiter. Je vais les traiter. Bon, ce n'est même pas pour ça que je suis venu là. Dis-moi un peu, Koucha vient encore boire ici? Oui, de temps en temps. Pourquoi? Ok. Ça tombe bien. Je voulais qu'on fasse un deal. S'il revient ici, n'importe quelle heure, n'importe quel jour, tu comprends? Fais-moi signe, je viens le coincer sur place. Tu aimes le business, donc Claudie, toi avec le business, non? C'est la magie seulement. Hein? Tu veux combien? 5000 francs maintenant. Et le jour que je t'appelle, tu mets l'autre 5000 ici. Sinon, je gâte tout. Attends. 10 000! 10 000! Ok. Je suis d'accord. Mais je n'ai pas encore les 5 000. Je sors travailler là. Dès que j'ai la somme là, je fais le dépôt. C'est ton problème. Je suis l'aéroport. Toi, tu es l'avion. J'attends sur place. Fais-moi confiance. Je m'en vais. Je te fais signe en journée, d'accord? Bonne journée. Bonne journée. Ah, Kémis. J'espère que tu n'as pas trop attendu là. Un peu. Et pourquoi toi tu ne m'as pas appelé? Je savais que tu n'allais pas m'être long, puisque j'ai vu ton taxi là-bas à la laverie. Ah, ok. Bon, j'espère que tu es prêt. On peut y aller? Oui, allons-y. Attends, j'ai dit, hein. Pourquoi tu as les mains vides? Rien, comme quoi? Mais Kémis, normalement tu dois avoir un paquet, un présent. Quelque chose qu'elle aime. Que tu lui donnes, parce que tu peux me la présenter, non? La fille là aime la boisson, elle aime la bière. Et en plus, est-ce que ça ne toquait pas autour la doute? Rien de tout ça. Mais normalement, on ne devait pas arriver là-bas les mains vides. On part d'abord causer. Après les présentations, on va prendre un pot. Ok, allons-y. Hey, Mambo. Quelque chose me dit qu'on ne va pas la trouver là. Puisque tu n'as même pas pris la peine de l'appeler pour prévenir qu'on arrivait. Mambo, ne m'amène pas la malchance que tu prends ton taxi dès le premier jour du travail là ici. Suis-moi et fais exactement ce que je te dis. Je viens te présenter à ma fiancée. Sinon, tu vas regretter plus que ce qui t'attend. Hé, attends. Je viens te donner un coup de main, tu me menaces. Hey! Ce n'est pas à moi que tu rends service, mais à ta femme. Car c'est elle qui devait m'accompagner normalement. Ok. Allons-y comme j'ai promis à ma femme. Mais, sache qu'après avoir fait ceci, tu vas regretter ce que tu viens de me faire là. C'est plutôt toi qui vas regretter, quel que soit ce que tu fais maintenant là. Tu penses qu'on ne sait pas que c'est ma soeur qui fait tout à la maison. Suis-moi. Ou si tu veux, tu peux expliquer ce que tu veux à ta femme. Je t'attends seulement, je vous attends seulement devant la porte de mon père. Allons-y. Vas-y, c'est nous. Julie, pourquoi c'est moi qui dois être devant? C'est ta fiancée, non? Comment toi, tu m'envoies devant? Ouais, ok. Vas-y, je voudrais lui faire une surprise. Je suis qu'elle est là. Peut-être elle est sortie. Elle est là. C'est toujours comme ça qu'elle fait. Vas-y, cours. Je dis, c'est quoi? Tu fais quoi devant ma porte? Qui t'a montré ma maison? Kémis. Combien? Kémis. Salut mon amour. Attendez. Dites-moi que je ne rêve pas. Ah! Vous êtes toujours là. Ça veut dire que je ne rêve pas. Qu'est-ce que vous faites devant ma porte? En plus, vous deux. Bon. Je vais dire la vérité. Tu sais que je ne connais pas de chez toi, non?
La vérité, c'est que je voulais présenter ma fiancée à ce monsieur. C'est ma femme qui voulait te voir. Comme elle était occupée, elle m'a demandé de venir voir ton domicile pour l'amener plus tard. Je te jure devant Dieu que je ne connaissais même pas de qui il s'agissait. C'est pourquoi je n'ai pas voulu te dire de qui il s'agissait. Tu la connais déjà. Voilà ma fiancée. Attends. C'est quoi? Tu me fais quoi? Attends, qu'est-ce que tu fais avec le téléphone? J'appelle la police. Et chacun de vous deux connaît pour quel motif. Maman, je t'en supplie, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ma mère. S'il te plaît. C'était une erreur. Hein? Je jure devant Dieu et les hommes que je ne mettrai plus jamais les pieds chez toi. Kémis, je m'en vais. Je t'aime, mon amour. Sorcier. Ne te me faut pas ne ton prétime ne gong wa ou ne na ou tu si pondene Rivière. Qu'est-ce qui se passe? Tu joues à quoi? Merde, parle-moi doucement, hein. Je ne suis pas ton enfant. Sinon, sinon. Donc si je restais là-bas à attendre le taxi, c'est que jusqu'à présent, je suis encore à l'église. Le quartier, c'est vraiment bizarre. Naya? Natou? Oui. Oh my God, oh Jesus. Long time, my dear. Wow. Maman, ça fait combien d'années qu'on n'est pas si voir Natou? Maman, depuis que tu es partie en mariage chez ton militaire là, même pour venir pendant les vacances, tu ne viens plus, Naya. Maman, laisse comme ça là. Laisse le type là comme ça. Tout ce que, je ne sais pas comment je vais te dire, le mariage c'est le prison. Elle ne veut même pas que je sors, je ne sais pas. Elle dit seulement que non, que si je viens ici là, tu connais mon ancien petit dragué d'avant là. On va me saluer là, on va me voler, maman les jalousies. He's very jealous. Et maintenant, comme tu es ici là maintenant, il est là pour te surveiller. Tu l'as échappé cette fois-ci. J'ai échappé, maman. Il n'y a pas l'échappement, je n'ai pas avant l'échappement. On est bien ici là, ton pied, mon main. On est, c'est l'affectation qui nous amène ici. Ah, je comprends maintenant. Hein, j'ai oublié. Dis-moi, ton mari, il va comment? Comme il était grosse là, il sait que tout ce que ça vend de ton mari, il est comme ça. Naya. Et c'est ce qui menait ses vieilles au sol comme le patate. Hé, hey, Naya. Hé. Hey. Maman, il est là. Il s'est débrouillé avec son vieux taxi. Taxi? Ta mari fait quoi dans la taxi? Non, Naya. C'est juste que son entreprise a fait faillite et ils ont été licenciés pour motif économique. Tanatou, quand tu parles un peu, maman essaie un peu d'avoir pitié de moi, non? Je ne suis pas dans la francophonie. Tu casses un peu les Français. Naya, leur entreprise n'avait plus d'argent, donc on a dû se séparer des employés. Ouais, donc maintenant c'est le taxi maintenant qu'elle est dedans. Tchai, maman laisse, ça va aller. Et les enfants alors, comment ils vont? Tu sais que maintenant, moi, je ne sais pas mon mari. Et c'est le chamé qu'elle a mis que j'ai bois, je ne sais pas. J'ai accouché seulement, j'ai quelques enfants. J'ai deux. Pourquoi tu plies ton visage quand tu n'es pas fier de mon enfant? Non, Naya. Dieu ne m'a pas encore fait grâce de goûter à la joie de l'enfantement. Toi, le fantôme, sur toi, tu ne comprends pas comment on prie. Tu dis que tu ne vas pas voir le fantôme. Non, Naya. Je n'ai pas encore d'enfant. Ouais, ça va, Lono, calme-toi. Est-ce que c'est même encore un problème? Tu veux que tu plies ton yeux, ton petit, comme tu veux m'échamer, je me dis même que, oh, peut-être c'est quoi? Oh, c'est la dette, c'est pas un problème. Moi, j'ai le même problème que toi, même chose. C'est un docteur qui ça m'a aidé. Il m'a lavé jusqu'à maintenant. Son nom, c'est Docteur Gadema. Docteur Gadema, il m'a aidé, mon lavé avec le zèbre, les écorces. Jusqu'à mon ventre, j'ai accouché. Maintenant, j'ai fui seulement, j'ai pris cadenas, j'ai bloqué avec. Mais... je suis diagonèse à l'église. Je ne traite pas avec les écorces. Tu es diagonèse à l'église. Depuis que tu es diagonèse, tu as eu combien des enfants? Je te donne la solution. Tu me dis que je suis diagonèse. Depuis que tu as eu combien des enfants? Même dans les hôpitaux, quand tu donnes le comprimé, on dit que c'est les écorces qu'on fabrique ça avec. Mais il te dit que non, on te fait un peu les petites écorces. Tu dis que non, tu es diagonèse. Reste alors avec.
C'est tout. J'ai compris. Je vais réfléchir. C'est ton problème, hein, Dato. Si tu réfléchis, tu me dis. Je vais te prendre, je vais t'amener là-bas, on va t'aider. Donc, moi, j'ai pas même. Tu sais quoi? Je vais partir pour les... Pour les quoi? Le... I want to go and inscribe my children in school. I want to go and register them. Just give me your number, you understand? Okay. We'll talk on WhatsApp, we'll just chat. I want to go to this thing. Appuie doucement, c'est quoi? C'est mon iPhone. Ça, c'est le iPhone que tu en train d'appuyer, comme si tu appuies. Tu appuies, appuies quoi? Naya, donc tu n'as pas changé. J'ai changé, quoi que mon niveau, ça a changé. Tiens. Ok. Je vais t'écrire sur mon WhatsApp business. Tu as compris, non? Ok, bye bye. Mm-hmm. Tu me salues ton mari. Mm-hmm. Mm-hmm. Salut, moi aussi, c'est Katia avec sa gros ventre là. Jesus. Mm. Fine girl like this. No picking. She just like that, as in, I don't understand. Let's go to this place. No, I be diagonals for church. I be this, I be that. You know, if you go now, you the cry picking. Just stay there. Nonsense. Kémis, qu'est-ce que c'est ça? Tu as dit à ta soeur que c'était une fille de bonne famille, non? Et que ce n'était pas celle-ci, non? Mais Mambo, c'était juste pour que vous le découvriez par vous-même. Tu sais quoi? Moi, je vais être franc avec toi. Je vais raconter exactement à ta soeur qui est ta fiancée. Tu ne peux même pas essayer, Mambo. Tu ne peux même pas. Attends. Et qu'est-ce qui va m'empêcher de dire la vérité à ma femme? Ce que toi, tu badigances avec Eleonore. Qui comment? Attends, qui? C'est peut-être mal dit, mais ce qui va t'empêcher de dire la vérité, c'est ce que toi tu fais avec Eleonore. Tu penses qu'on ne sait pas comment sortir ensemble? On sait tout ça, hein? Mais, Mambo, tu ne parles plus. Tu es devenu Moumou. Qui t'a raconté le balivène, là? Arrête de choses innocentes, Mambo. Le jour qu'on m'instaure au bar, n'est-ce pas, tu étais là, tu riais. Vous étiez en train de rire. Attends. Le jour où on avait juste bu, hein. Tu sais comment elle aime boire comme quoi là? Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé entre nous. Arrête ça, dis donc. Koucha m'a confirmé que vous sortez ensemble. Et si tu doutes que vous ne faites rien ensemble, on part demander chez Claudie, c'est simple. On y va. Non, ça va. Ça va. Mais le jour où on avait trop bu, on était sous. On était sous. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais je te jure que depuis le jour-là, on ne s'est plus vu des yeux comme ça. Là n'est pas mon problème. Je veux tout simplement savoir si tu vas dire à ma sœur que je t'ai amené chez Eleonore. Non. Non, bon. Je vais dire qu'elle ne la connaît pas. Mais si entre-temps ta sœur découvre la vérité et qu'elle se fasse, je vais faire comment alors? Oh, Mambo, c'est très simple. Tu fais avec elle comme moi, je fais souvent avec Eleonore. Ok. J'ai compris. Allons prendre le taxi à la laverie. Qui? Moi encore monter dans ton taxi après tout ce que moi je viens de te dire. Pourquoi tu ailles cogner mon côté contre l'arbre et après dire que je suis mort parce que j'ai fumé le manga? Non papa, j'ai mon agent de taxi ici. Je vais aller prendre le taxi ailleurs. Ne dit-on pas souvent que pas de nouvelles bonnes nouvelles? Si quelque chose de mal lui était arrivé, on m'aurait déjà appelé. Je savais. Comme il n'a pas pu rentrer, il m'appelle pour me rassurer. Papa? Mais qu'y a-t-il de si important pour qu'il m'appelle à cette heure-ci? Oui, papa, bonsoir. Bonsoir ma fille, comment tu vas? Ça va, mais par contre, si toi tu m'appelles à 7h, ça veut dire que tu as un souci majeur. Non ma fille, non, j'appelle juste pour savoir si ton mari est déjà de retour pour lui demander comment cela s'est passé avec la fiancée de Kémis. Non, il n'est pas encore arrivé, mais dès qu'il rentre, je ne manquerai pas. Mais pourquoi tu ne demandes pas directement à Kémis? Le fou là, je n'ai pas confiance en lui. Il risque de me mentir comme d'habitude.
Ah, papa, mon mari vient de rentrer. Dès qu'on finit de causer, je te rends compte, d'accord? Ok. Il y a quelqu'un ici? Je peux boire une bière? Oui, j'arrive. Tu arrives, tu es où là? Bonjour Père Kameni, je n'ai pas su que c'était toi. Maintenant que tu sais que c'est moi, va me servir comme d'habitude. Je suis en train de recharger le réfrigérateur comme ça. Ta bière est seulement fraîche. Tu sais que c'est ça qu'on boit beaucoup. Pardon, apporte-moi ça, dis donc. Ah. Tu as fini? Non, non, mais j'ai déjà chargé la grande partie. Je n'aime pas laisser mes clients seuls. C'est comme si je leur manque de respect. Tu as tout à fait raison. Quand une belle femme assise à côté d'un homme qui boit la bière comme ça, là, ça descend bien. Comment ça? Tu ne comprends pas quoi? Tu veux dire que je suis le premier client à dire que tu es belle? Merci. Non, mais moi, je te vois plutôt comme un client. Comme un grand frère qui veut lancer sa petite soeur. Pardon, ne m'enlève pas sur ça. Tu connais le nombre de bars que je traverse pour venir ici juste parce que je vais avoir une occasion de discuter face à face avec toi pour te dire ce que je ressens pour toi. Le vieux père veut que je coupe seulement sa dernière veine ou quoi? Claudie, tu ne parles plus. Ou ton grand frère a dit quelque chose qui ne te plaît pas? Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste que nous les commerçants, nous avons trop de choses en tête. Je pense à un client qui devait passer me remettre mon argent depuis hier. Jusqu'à présent, il n'est pas venu. Donc, tu n'as pas compris tout ce que je te disais là? J'ai compris. J'ai bien compris. Laisse-moi d'abord quelques jours pour réfléchir, non? Je vais te répondre après. Pardon, laisse-moi avec tes réflexions de lycéenne là. Nous sommes tous les deux des adultes. C'est pourquoi je n'ai pas voulu commencer avec « Tu as la tête, n'est-ce pas, comme la pleine de lune, les seins comme les grenadiers, les lèvres comme les coupes de champagne. » Entre nous, là, c'est terre à terre. Ça passe ou ça casse. Pardon, ne m'embrouille pas. Dis-moi la vérité. Ça peut bien passer. Mais à condition que nous soyons discrets. On va essayer. Ça peut passer. Je suis une tombe en béton armé. Il suffit seulement que tu sois gentil avec moi, que tu me donnes un peu de temps en temps. Hein? Je te jure. Je vais changer ta vie. Ok, on verra. Hein? On va fêter ça. Pour commencer là, tu vas prendre deux bières pour toi. Hein? Et tu m'apportes encore une bière. Abidjan, ça dose. Adoualaï, ça dose. Dose, dose. Mais quand on est déjà dans les choses là, on a toujours raison. Tous ceux qui prélèvent ont toujours raison. Voilà. Papa. Non, je suis juste sorti pour. C'est pas ça. Oui, Natou, ça va, non? Oh. J'ai dit que. Vas-y là, papa. Ok. Papa m'a dit que tu voulais y apprendre une deuxième. Pardon, il vient d'y aller une deuxième fois. Quatre crevaisons, une d'un seul coup. Pardon. Tu sais qu'on a pris la voiture à papa. Je m'excuse pour toutes les mauvaises paroles que moi j'ai eu à lui avancer pendant le passé. J'ai une qui attend que je la présente officiellement à ma famille. Mais si vous me présentez une femme, c'est vous qui ferez les enfants avec elle. Je vous préviens. Kémis, ça va?
Voilà la question que je vais poser depuis que d'accuser les autres. Chérie, si tu as quelque chose à lui dire, dis-le directement. Dis-lui. Je suis en train de charger. Merci, non. Mais moi, je te vois plutôt comme un grand frère. Non, comme un client. Pardon, laisse-moi avec tes réflexions de... Pardon, laisse-moi avec tes réflexions de... Je suis en train de charger le réfrigérateur. Arrête tes yeux de... Qui t'a raconté le balivène là? Arrête de jouer aux innocents. Tu étais là. Qui t'a raconté de jouer les balivènes là? Arrête de jouer aux innocents, dis donc. Tu étais là le jour qu'on m'a insulté. Ouais. Qu'elle m'a insulté au bar. Ouais. Tu rien. Hein? Ok. Là n'est pas mon problème. Je veux juste savoir si tu vas dire à ma. Là n'est pas mon problème. Oh, mon beau, c'est simple. Tu fais avec. Oh, mon beau, c'est simple. Tu fais avec. Allô, allô, Ataï, prêche propre ton rôle.